Elle a 16 ans et un petit cœur d'enfant comme le printemps. Elle aime courir dans les champs, elle est belle à croquer comme une pomme. Voilà en somme d'où vient son surnom. C'est Miss, c'est Miss, c'est Miss Pomarole, coquette bien faite dans sa robe qui vole. Tout le canton est en révolution. Pourquoi? Et les garçons sont comme des papillons. Pourquoi? La sortie de la messe est annoncée, et tout en dimanché, on va la voir passer. Charmante, troublante, c'est Miss Pomarole. Légère, pas fière, on la croirait frivole. Pourtant, ne vous fiez pas à ses manières, y a rien à faire, même pour l'embrasser. Au grand concours des filles de son pays, sans faire un pli, elle obtint le premier prix. Depuis dans toutes les réceptions mondaines, elle est la reine et chacun se dit: c'est Miss, c'est Miss, c'est Miss Pomarole, qui passe très lasse dans sa robe qui colle. On la photographie tous les trois pas. Pourquoi? En grande vedette elle fait du cinéma. Pourquoi? C'est parce qu'elle a des charmes et des appâts que bien d'autres n'ont pas. Pourtant malgré cela, heureuse, joyeuse, c'est Miss Pomarole, qui rentre bien sage dans son petit village, où l'attend chaque soir celui qu'elle aime et qui sans peine lui ouvre ses bras. C'est parce qu'elle a des charmes et des appâts que bien d'autres n'ont pas. Pourtant, malgré cela, heureuse, joyeuse, c'est Miss Pomarole, qui rentre bien sage dans son petit village, où l'attend chaque soir celui qu'elle aime et qui sans peine lui ouvre ses bras. Et tout le reste, c'est du blablabla.